Jean-Claude Mailly est notre invité ce matin, secrétaire national, général, oui, de Force Ouvrière. Oui. Bon, le patron de Force Ouvrière, l'un des grands syndicats français, Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bonjour. Le président de la République parlait de compromis historique. Rappelons-nous sur quel sujet, le marché du travail. Depuis maintenant plusieurs semaines, les syndicats, vous, et les représentants patronaux, vous discutez sur une autre organisation du marché du travail en France. Mmh. Les discussions se sont poursuivies et puis hier, elles se sont arrêtées. Pourquoi ? D'abord, parler de compromis historique sur le marché du travail, je l'avais dit à l'époque, c'est prendre beaucoup de risques. On ne peut pas dire que quelque chose va être historique avant. Et comme on ne peut pas faire écrire l'histoire avant, et pour qu'un compromis soit historique, il faut déjà qu'il y ait un compromis. Donc je crois que la formule était maladroite. Bon, oui. Ceci étant, c'est une négociation très compliquée. Alors je vous arrête parce que oui. Le président de la République sur Europe 1 vient de dire ce compromis historique, je l'appelle plus que jamais ce matin, n'attendez pas que la loi fasse ce que les partenaires n'auront pas convenu. J'ai fait le choix du crédit d'impôt, le nouveau contrat de génération. Je préfère un peu plus de temps et un accord que pas d'accord. Oui, non, mais attendez, ça veut dire qu'il redouble. C'est ça que ça signifie. On peut se poser la question, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il a eu raison d'employer le terme compromis historique ? Non, d'une manière générale, il n'a pas eu raison d'employer ce terme, en sachant que c'est quelque chose de très compliqué. C'est une discussion et une négociation très compliquée, parce qu'il y a ce que les syndicats, et avec des différences, demandent, et il y a ce que le patronat demande, et est-ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors, justement, donc, voilà, on va y revenir. On va y revenir. Moi, je peux retourner la balle, je dirais, au président de la République. Dire, attendez, vous avez peur que la loi traite de cette question. Vous préférez que ce soit les syndicats qui acceptent de la flexibilité, que le débat sur la flexibilité aille au Parlement. Donc, vous voyez, on peut. Vous pensez que le gouvernement et le président de la République ont peur de prendre leurs responsabilités? Non, mais à un moment donné, si eux appellent la flexibilité et qu'ils préfèrent que ce soit les autres qui la fassent, vous voyez, bon, chacun ses responsabilités. Oui, on pas de Noël leur... pour sapin, titre Les Échos ce matin. Ça, c'est, oui, c'est le jeu de mots. Mais en tout état de cause, on peut pas dire ça va être historique sur une situation de crise qui est très difficile, et l'histoire ce serait que les syndicats quoi acceptent énormément de flexibilité. Donc ça m'apparaît c'est compliqué, et en tous les cas en ce qui concerne Force Ouvrière, je l'ai dit depuis le début, il y a des choses qu'on n'acceptera pas. Alors...